Alors le chiour, il est les Mishmat, René Shlomo Ben Marguerite, c'est mon grand-père. Et Bezra Hachem aussi, pour Messia Kachrou, pour la naissance de la, ma petite fille, donc la, notre petite fille, et donc la fille de Sefraïm. Ida. Ida. Longue vie en bonne santé, Bezra Hachem. Bekdusha, Betahara. Alors je vais regarder ce matin, je vais juste partager donc avec vous un sentiment. Un sentiment. Partager vraiment avec vous un sentiment. Et ce sentiment-là, je l'ai eu encore plus. Alors quand j'ai fait la tfila ce matin, je l'ai eu encore plus ce matin. On connaît cette, on a déjà beaucoup parlé, mais des fois tu prends conscience des choses à certains moments de ta vie, même si ben, tu le sais, donc tu le connais. C'est pas forcément que tu le sais, comme je le répète très souvent. On peut connaître des choses sans les savoir. On peut connaître des choses sans les savoir. Et on a dit en réalité, c'est quoi la différence entre connaître et savoir? Connaître, c'est une connaissance extérieure. Savoir, c'est lorsque tu vas maintenant vivre cette connaissance. Tu vas vivre cette conscience. Et ce matin, en faisant la tefila, et on va voir que c'est aussi le soir, en vérité, on dit la même chose. Vous savez, la Gemara, elle dit que chaque juif, on arrive au matin de Torah, chaque père, chaque juif, chaque homme, à partir de la bar mitzvah, chayav l'ilmot Torah. C'est un chiyuv. On a non seulement une mitzvah, on va le voir si Dieu pendant la veillée. On a non seulement une mitzvah d'étudier la Torah, mais aussi d'enseigner la Torah à nos enfants. C'est un chiyuv midoraita. On a une obligation de la Torah, d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah. Et il y a écrit dans le Sefer Yoshua, Vagitabo Yomam Alayla. Là, on n'a plus encore plus. C'est que le chiyuv d'étudier la Torah, Vagitabo Yomam Alayla. Tu dois étudier, tu es forcé dans l'étude de la Torah, Yomam Alayla, jour et nuit. Entre parenthèses, il y a un midrash, c'est une gemara en vérité, mais c'est un midrash. Une fois, hein, il est venu un Tana, il est venu voir, je ne sais plus c'était qui les deux antagonistes, mais il est venu voir un autre rab, son rab, et il lui a demandé, il a dit, regarde Rabbi, j'ai étudié toute la Torah Kula, je connais tout, j'ai tout appris. Je peux aller étudier la Chochma Ivanit, je peux après écouter la philosophie grecque, Chochma Bagwentami, il y a une Chochma, je peux pas y aller étudier. Il lui a dit, tu peux, mais à une seule condition, tu peux aller. Mais il faut que tu trouves un moment qui n'est ni le jour ni la nuit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vagitabo yomam valaila. Si tu arrives à trouver un moment qui n'est ni le jour ni la nuit, va l'étudier. Je vais dire, qu'est-ce que tu fais? La Torah, tu vois que tu as. Je crois que tu connais. Ben, à forba, va forba, des coups là-bas. La Torah, tu peux étudier. Il n'y a pas de sauf, il n'y a pas de fin. Elle est éternelle, elle est l'infini. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai commencé? Donc un homme, il est khayab d'étudier pour lui. Et en plus, d'enseigner la Torah. Donc encore une fois, on a des fois des connaissances et après on a des prises de conscience. Pour, et la camarade dit minimum, le minimum, pour être yotze, moi je travaille, je suis pas là, je fais pas. Le minimum, entre guillemets, c'est-à-dire le minimum, comment dire, une expression en français. Minimum syndical, pour être yotze, pour être acquitté de ce riouf d'étudier le jour et la nuit. La camarade dans Maseret Sota dit, si quelqu'un a fait schéma, kriat schéma le matin et le soir, il y a de ça, c'est comme s'il avait étudié. Bon, mais ça va, t'as compris, ça veut dire, c'est vraiment du light de chez du light, d'accord? C'est pas comme ça qu'il faut, mais au moins kriat schéma. Et tu te poses la question, bon, mais pourquoi? Pourquoi présent de kriat schéma? Pourquoi tu dis pas celui qui a fait hachré, je vais mettre deux fois dans la journée? Ben voilà, il y a de ça. Ou quelqu'un qui a dit je sais pas quoi, ou il a dit il a fait un pasouk. Non. Si quelqu'un il a fait kriat schéma le matin et le soir, alors il a, entre guillemets, minimum syndical de sa mitzvah d'étudier Yomam Balaila. Pourquoi? En vérité, tout est décrit dans le Kriyat Shema. Lorsqu'on dit Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad, on en a parlé en large, d'accord? Aval, c'est quoi cette phrase extraordinaire? C'est une phrase unique, c'est une phrase d'une puissance. Shema Israël. On a raconté l'histoire lorsque c'était qui le Rav qui partait chercher les enfants après la Seconde Guerre mondiale dans les couvents. D'accord, dans les monastères, qu'est-ce qu'ils faisaient pour les faire venir? Il disait, vous avez des enfants juifs ici? Il disait, non, on n'a pas. Hop. Il allait dans le dortoir et il criait fort, Shema Israël! Et tous les enfants, ils écoutaient, ils se rappelaient, hop, ils venaient d'eux-mêmes. C'est une phrase, c'est magique, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'on dit? Quand on dit Shema Israël, on prend sur nous le joug divin. On prend sur nous la royauté de Dieu. On prend sur nous
le maître du monde. C'est la plus grande proclamation, de prendre sur nous le joug d'Akadash Baruch Hu et de reconnaître la force infinie, éternelle d'Akadash Baruch Hu et que tout est Hachem. Tout est Hachem, tout ce qui t'arrive, c'est Akadosh. Shema Yisrael, Hachem Echad. Il n'y a pas autre chose. Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y a que lui. Et tout ce que tu vis, c'est que lui. Tout ce que tu vis. Ah oui, mais c'est moi qui ai fait le contrat, t'as rien fait du tout. Ah, mais c'est moi qui ai pensé, t'as rien pensé du tout. Ah, mais l'autre, il m'a dit ça, il n'a rien dit du tout. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. Et si tu as pensé une seconde qu'il t'arrive quelque chose qui n'est pas Dieu, c'est de la Avodah Zarah. C'est de la Avodah Zarah. Tout ce qui t'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu. En bien, Baruch Hashem, et en moins bien. Tout ce qui t'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout. C'est pour ça que quand on fait Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on va dire ? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. On a la première mitzvah, dit le Rambam, la première mitzvah de la Torah, c'est quoi ? Le'ehov et Hashem. C'est une mitzvah de Horaïta d'aimer Dieu. On a une mitzvah de l'aimer. Alors tu dis, mais comment je vais aimer Dieu ? Pourquoi je vais aimer Dieu ? Qu'est-ce que je dois aimer Dieu ? Pourquoi je vais aimer Dieu ? Qu'est-ce qu'il est Dieu ? Regardez. Avant le Kriyat Shema du matin, et c'est ça qui m'a fait tilt, plus, et même avant le Kriyat Shema du soir. Avant le Kriyat Shema du matin, hein, qu'est-ce qu'on dit ? Quel tefila on dit à Kadosh Baruch Hu ? Parce qu'avant de proclamer notre amour pour Kadosh Baruch Hu, et cet amour, c'est un amour de conscience. J'ai conscience que tout ce que je suis, que tout ce que j'ai, que tout ce que je reçois, ça vient de toi, Kadosh Baruch Hu, c'est un cadeau chinam. C'est gratuit. Tout ce que tu donnes à Kadosh Baruch Hu, c'est gratuit. Je ne mérite pas. Qui mérite de recevoir ? On est des quoi ? On est qui nous ? On fait quelque chose pour lui. Tu viens le matin à la fila, alors qu'est-ce que tu as fait ? Tu as étudié pendant 5 heures, et après, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait une demi-heure de limou le matin, et après, qu'est-ce que j'ai donné ? Tu n'as rien donné. Tout ce que tu pourras faire, en vérité, ça ne va jamais assez par rapport à ce que Dieu te donne. Donc, on a conscience et conscience que tout ce que Dieu te donne, c'est matinatrina. C'est cadeau, comme un papa. Allez, vas-y, mon fils, mais tu veux pas, je te donne. Et pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi Hachem, il est comme ça envers nous ? Si on a conscience de ce que je vais dire maintenant, notre vie, elle change, Bezrat Hachem. Qu'est-ce qu'on dit avant le Kriyat Shema ? Qu'est-ce qu'on dit ? Le matin, on dit Avat Olam Aftanu. Avant de proclamer notre amour pour Akadosh Baruch Hu, Hachem dit à ton fils, attends, il faut que je te parle d'abord. D'abord, il faut que je te parle. Avant que tu proclames ton amour pour moi, je vais te dire un truc. Avat Olam Aftanu. D'abord, Akadosh Baruch Hu a proclamé son amour pour nous. Avat Olam Aftanu. Akadosh Baruch Hu te dit Avat Olam Aftanu, un amour infini, éternel. Aftanu, tu nous as aimés. Hachem Elokeinu. Chemla Gedola. Une grande compassion. Vitera. Et en plus, une compassion. Une grande compassion et une compassion en plus. Chamalta alenu. Combien t'es chomel alenu à Kadosh Baruch Hu ? Combien de compassion tu as ? Pourquoi on dit qu'Hachem, il est chomel à Kadosh Baruch Hu et je le chemla ? Lama. Quand il nous voit. Comment ? Compassion. Il a la compassion pour nous. Il nous voit dans notre vie de tous les jours. Il nous voit dans notre bots. Bots. On est, ouais, mais dans le sens s'amouvant, d'accord. Et nous, on est là en train de s'enfoncer. Et je dis, c'est mon fils, qu'est-ce que je fais ? Il fait des bêtises, il fait des erreurs, il comprend pas. Et plus que ça, il redouble tout le temps, il refait les mêmes erreurs en plus. Une fois, ça n'a pas marché, deux fois, ça marche. Et tu recontinues, tu recommences. Et une clé, non. Hachem, il a la compassion. Il sait qu'il a créé, il connaît ses enfants. Cette compassion, cette compassion, c'est une marque d'amour. Avinu Malkenu. Akadosh Baruch Hu, avant d'être Malkenu, il est d'abord Avinu. D'abord, c'est notre père. Babu Shimcha Gadol. Ou Babu Atu Shimate Ubar. Akadosh Baruch Hu, pour ton grand nom. Et pour nos avos, nos patriarches qui ont cru en toi. Cru en toi. Shimate Ubar. Pas chez Minubar. On ne dit pas qu'ils ont eu la foi en toi. Qu'ils ont cru en toi. Quelle différence entre Emouna et Bitachon chez Shimate Ubar ? Pourquoi Bitachon c'est plus fort ? Il y avait. La Emouna, la foi, c'est quelque chose de théorique. Le Bitachon, on l'a dit, c'est quoi ? C'est dans la pratique. Ils ont vécu cette Emouna. Ils l'ont vécu. Comme on l'a dit, tu peux connaître et tu peux savoir. Mais ils ont su cette Emouna. Comment ? Tu vois là, l'histoire d'Avraham, de Yaakov avec nous, d'Avraham avec nous, Yitzhak avec nous, Yaakov avec nous, nos patriarches. C'est quoi ? C'est qu'une histoire de Bitachon, c'est que d'un Emouna. Et après, qu'est-ce qu'on dit ? Va telmedu chukei chaim la'asot chesed ve'lo hashlem. Tu nous as enseigné des lois de vie. Qui ici ne ressent pas plus fond de lui-même, après avoir étudié, après avoir mis sa tête dans la Torah, après avoir écouté un shiur, après que ta vie n'a pas changé, ta façon de voir la vie n'a pas changé, ta relation avec ta femme n'a pas changé, ta relation avec tes enfants n'a pas changé, dans ton business n'a pas changé, la Torah elle te donne pas une nouvelle vision de toi-même, vision des choses, vision de la vie, elle te met pas maintenant
Une véritable échelle, elle ne te donne pas véritablement une échelle de valeur. Ruke Chaim, les lois de la Torah, ce ne sont pas des lois humaines. Akadosh Baruch Hu t'a pas donné ces lois-là pour t'embêter. Les lois que Dieu a données, c'est pour que tu vives ta vie, tu te réalises. Ce sont des lois vivantes. Tu vas à la Makolet, tu vis la Torah. Tu vas au supermarché, tu vis la Torah. Tu vas à la piscine, tu vis la Torah. Tu rentres dans ta douche, tu vis la Torah. Ruke Chaim, la Torah, elle se vit. Fais pas que ça prendre. L'inmod ve l'amen. On va le voir. Regarde ce qu'il y a écrit. On va le voir tout de suite. Et on demande à Hachem, Ken techonel ou avinu. Qu'on ait la hanin, qu'on soit hanin. Qu'on ait la grâce devant toi, Hachem. Av rachaman. Hachem, il est av rachaman. C'est le père de la miséricorde. Et on dit, amerachem, rachem na'alinu. Aie pitié de nous, Akadosh Baruch Hu. Regarde ce que je suis un homme fait de chair et de sang. Et lui, Tzara, que t'as créé, c'est un ange, c'est un feu. Et tu veux que je fasse? J'essaye, je me bats, attention. C'est pas pour ça que t'as pas de te battre. Tu te bats contre les Tzara. Tu te bats contre tes mauvaises midotes. Tu te bats contre tes lourdeurs. Ah bah, je me bats, Akadosh Baruch Hu, mais je reste ce que je suis. J'avance. Et on demande, Veten, Bili, Benu. Bina, le Avin. Qu'on ait la Bina pour comprendre. Mais Bina, si tu veux la Bina, pas la Bina, la chanteuse, t'as compris? Là, je te vois, halouf. C'est quoi Bina? La compréhension profonde. Bina le Avin. Il y a des gens qui ont la Bina. Hein? Il y a des gens qui ont... Mais ils n'utilisent pas cette Bina qui est de la Avin. C'est dommage que tu es intelligent. Tu vois, tu dis à quelqu'un, c'est bête, tu es intelligent. Pourquoi tu es bête alors? Parce qu'ils n'utilisent pas cette intelligence pour vivre. Les Askil. Les Askil, c'est quoi? C'est avoir la réflexion. Askala. Avoir la réflexion. Lishmoi. Si tu n'es pas capable. Après la tuila, de rester une demi-heure, 20 minutes, un quart d'heure, d'écouter du vrai Torah, et tout de suite tu pars. On dirait que t'es pressé, mais après je te vois en train de prendre ton café. C'est pas mal, c'est dommage. C'est péché, c'est bête. Pourquoi tu fais ça? Lichmoi, on demande à Hachem. Vas-y, aide-moi à vouloir écouter la Torah. Mais non, c'est pas ici, va autre part. Il y a plein d'endroits, plein de Torah, ranana, ou à Jérusalem, ou l'Odama. L'essentiel, c'est que t'écoutes un cours. C'est que t'écoutes un cours. Qui que ce soit, n'importe où, va écouter un cours de Torah. Lichmoi, on demande à Hachem qu'on ait. Fais-moi écouter. Que j'ai cette envie d'écouter, ce désir d'écouter, ce ratson d'écouter. Quand un truc un vendredi soir, l'autre il va aller faire un truc, donc tu ravi par lui, va. Qu'est-ce que tu fais? Comme on l'a dit, Rabbi Julien, cette manie-là, que lorsque le ravi parle à la synagogue, n'importe où, les enfants ils sortent. C'est ça que t'apprends tes enfants. Alors quand ils sont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, machin, ils vont pas, papa, va jouer parce que tu vas nous embêter. Mais ils commencent à avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans. Dis à ton fils, écoute, ça va être pas un truc, c'est une histoire, c'est quelque chose. Écoute. On laissait. Moi, si on m'avait dit ça quand j'étais jeune, j'aurais aimé qu'on me dise reste à 11 ans ou à 12 ans. Même si j'avais pas compris, on m'aurait obligé, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on demande? L'ilmod ou les lamen? Étudier, enseigner, l'ishmor, vela asot, ou le kayem, el kol divrei talmud Torah techa. D'accomplir cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Be'ahava, avec amour. Et on demande, va'er enu betorah techa. Après, on demande, c'est bon, éclaire notre vie, nos yeux à ta Torah. Vedabek ibil mitzvotecha, qu'on soit mamash attaché, collé à tes mitzvot. Veyached levanu lavol yirat shemecha, leyached, unis nos cœurs, à t'aimer et à te craindre. Unis nos cœurs. T'as deux cœurs, toi? T'as deux cœurs, toi? T'as deux cœurs? Levavenu, nos cœurs. Moi j'ai un cœur. Pourquoi nos cœurs? Levavenu. Écrit li, il aurait dit li, d'accord? Parce que regarde ce qu'il y a écrit au début. Vedabek. Libenu bemitzvotecha, libenu bemitzvotecha. Mais quand on parle maintenant la volira, ben yachel levavenu. Vous comprenez la différence? Libenu, c'est notre cœur, notre cœur. Levavenu, c'est nos cœurs. Pourquoi dans les mitzvot c'est libenu et dans l'amour et la crainte c'est levavenu, nos cœurs? Moi je dis pas libenu, on a un cœur. Non, parce que aimer Dieu et craindre Dieu, c'est pas avec un seul cœur, c'est avec tes deux cœurs. Pourquoi? La Gemara dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et le cœur. Bah, la Tanya ramène ça. Le Tanya ramène que le cœur de l'homme, il a jeté Ptachim, il a deux portes. À la porte de droite, siège le Etzer Atov. À la porte de gauche, siège le Etzer Ara. Deux Ptachim. C'est qu'on a deux cœurs. On a un cœur pour faire le bien Kaviachol, un cœur pour faire le mal Kaviachol. On demande à Kadosh Baruch Hu, Vechel Levavenu, à Kadosh Baruch Hu, unis nos cœurs, unis le Etzer Atov, mais notre Etzer Ara. Pour t'aimer et pour te craindre. Comment maintenant je vais unir mon Yetzer Atom, mon Yetzer Hara pour craindre Dieu ou pour aimer Dieu? Lorsque je vais donner cet exemple-là que je donne tout le temps, lorsque maintenant le moment le plus grand, lorsque tu vas rentrer dans le Beit Kodashim, tu vas rentrer dans la chambre nuptiale et tu vas être avec ta femme, d'accord? Et à ce moment-là, tu vas aller avec elle, d'accord? Et avec les corps,
tu vas faire l'acte avec elle. Soit maintenant, tu auras un cœur avant de rentrer, c'était le cœur où tu as fait ta tefila. Et donc, tu rentres dans la chambre, après, tu as le deuxième cœur, c'est les tserara. C'est manimal. Ah, la fauve. La fauve, on a acheté le lion. Soit tu comprends que même dans la chambre nuptiale, même dans le lit avec ta femme, je vais avoir du plaisir, je vais te donner du plaisir et je vais faire une mitzvah de donner du plaisir à ma femme. Shamata, ça veut dire Bigdusha betahara. C'est savoir utiliser même le yetzerara, mes pulsions, mes passions, entre guillemets, dans le tov. Et une personne a réussi à faire ça, Rav Dessler, il ramène ça à l'union du Midrash, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu a réussi à servir, à transformer son yetzerara, yetzerara tov, c'est-à-dire transformer, utiliser même le yetzerara dans la mitzvah. Comme on l'a dit plus d'une fois, qu'est-ce qui te fait que tu te lèves le matin? C'est pas ton yetzerara tov, c'est ton yetzerara. Qu'est-ce qui fait que tu vas travailler? C'est ton yetzerara. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de cette vie matérielle? C'est ton yetzerara. S'il n'y avait pas de yetzerara, il n'y aurait pas la vie. Donc il dit, il faut chérir le yetzerara. Aval, quand tu vas utiliser le yetzerara pour faire le bien, la locomotive c'est le yetzerara tov. Et le yetzerara, il va suivre le yetzerara pour faire le bien. Par contre, ce que ça veut dire? C'est ce qu'on dit ici. Et on termine cette brache, je vais pas tout vous dire. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Bocher be'amo Israël, be'ahava. Abocher be'amo Israël, be'ahava. Alors juste, je viens, pendant la tefila, ça m'a fait tilt, parce que qu'est-ce qu'on dit là-bas? Uvanu bacharta mikol ha'am ve'lashon. Tu nous as choisis parmi tous les peuples. On était déjà un peuple. Donc on était déjà un peuple. Là, quand je vous ai choisi, il a donné la Torah. Ouba. C'est clair? Oubanou, Bachar, Tamikola, Amim. On était déjà un peuple. Tu nous as mis parmi toutes les nations. Après, on a reçu la Torah. On a dit Nasavishma. On a eu la Torah. Donc on était déjà un peuple avant. Il a fait. Mais quand même, je t'ai dit, il y a un passouk qui va dans ton sens et il faut que je le récupère, ce passouk. Comment vous pourrez? Baurata Hashem, Aboré, Bamo Israël, Be'ahava. On dit qu'Akadosh Mouni nous a choisi Be'ahava. Par amour du Dieu Israël, Be'ahava. Et là, mes amis, quand j'ai lu ça ce matin, un Bémet Sama, voilà, j'ai pris conscience encore plus et j'ai su plus que connaître. D'accord? Les choses que tu vis qui te vont prendre conscience, Bémet, encore plus, c'est l'amour de Kadosh Boru. Quand Baruch Hashem, voilà, il y a une naissance, c'est tellement extraordinaire, surtout la première, parce que c'est la première, c'est quelque chose de spécial, surtout pour un papa, même pour les grands-parents, c'est passé quoi? C'est une certaine continuité, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas comme un enfant. C'est autre chose, c'est encore après ça, c'est une projection beaucoup plus. Celui qui est mon grand-père, il doit le ressentir. Moi je connais pas, c'est la première fois, mais on connaît pas. Mais c'est une projection, c'est quelque chose de plus grand. Ça, c'est plus loin encore. Pas loin dans le sens, ça nous projette encore plus loin. Et il faut juste, voilà, avoir conscience. Abocher, Be'amo Israël, Be'ahava. Ce que je viens de dire maintenant, il est aussi avant le Kriyat Shema du soir. Comment il termine le Kriyat Shema du soir? Baruch Atah Hashem, Ohev Et Amo Israël. Si on était Mitkaven, si on faisait attention à ce qu'on disait dans notre prière, et là on dit Mitkaven, que Dieu il vient, il te dit, Abocher, Be'amo Israël, Be'ahava. Ohev Et Amo Israël, Kakadosh Boru, il t'aime. Si on avait conscience de cet amour pour Kakadosh Boru, ça nous donnerait des ailes. Regarde, quand on sait, on se sent aimé au niveau humain. Lorsque, avant le mariage bien sûr, hein, parce qu'après le mariage, c'est une paire de manches, mais avant le mariage, quand on était tout feu, tout flamme, et t'étais tout pour elle, et elle te disait 10 000 fois, je t'aime, et je t'aime, et je t'aime. Et le soir, avant de t'endormir, c'était qui te faisait un téléphone, Rod, tu raccroches, et pendant 5 heures comme ça, je t'aime. Et c'était ma vie, t'es mon soleil, t'es mon machin, t'es mon blablabla. Ok, oui, bon, tu m'indiques, mais maintenant, mais avant, c'était vrai, d'accord? Mais en vérité, quand quelqu'un il te montre cet amour, qu'est-ce que ça te fait, mon tzadik? Ça te donne des ailes. Tu te sens invincible. Quand des parents ils montrent un amour comme ça profond pour leur enfant, et l'enfant il se sent véritablement aimé. D'accord? Véritablement aimé. On a dit comment on est aimé quand on est nikar, quand on est spécial, notre cet amour spécial. Ah bah, lorsque nos parents, Bémet, donnent à cet amour, ça nous donne des ailes. Tu te sens invincible. Alors imagine l'amour qu'Akadosh Borou il donne à son peuple. L'amour qu'Akadosh Borou il donne à chacun d'entre nous. Si on avait conscience de l'amour que Dieu avait pour nous à chaque instant, on n'aurait peur de rien. On serait les hommes et les femmes les plus heureux du monde. Cet amour, c'est elle qui amène cette simcha. Si juste tu as conscience de l'amour que Dieu il a pour toi, qu'Akadosh Borou est omniprésent et il te fait tous les jours des cadeaux. Tous les jours de ta vie, chaque seconde de ta vie, ce sont des cadeaux d'Hachem. Cet amour d'Akadosh Borou, comme il dit le Baal HaTanya, ça ressemble à une personne qui se verrait, qui regarderait son visage dans une rivière. Qu'est-ce qu'elle fait, l'eau de la rivière? Elle? Elle reflète le visage. Pareil. Le visage d'une personne sur une autre personne, c'est ton reflet. C'est-à-dire que si toi, t'as un visage souriant, t'as un visage aimant, tu as un visage positif, automatiquement, en face de toi, la personne va ressentir ça et elle va te le rendre.
Il dit, c'est pareil avec Akadosh Baruch. Si on avait conscience que là, devant moi, Kavirchot, c'est une image, mais j'avais le visage de Dieu, qui est entièrement souriant, entièrement bienveillant, entièrement aimant, entièrement amoureux de toi. Mais normalement, ça devrait automatiquement se rejaillir sur ton visage à toi. Alors pourquoi tu fais la tronche? Pourquoi tu te plains? Pourquoi t'es pas content? C'est que tu ressens pas l'amour de Dieu. Et là, il y a des problèmes. Il faut ressentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, prendre conscience d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il est infini, éternel. Et on le dit, c'est Rashi qui dit ça dans Parashat Balak, inconditionnel. Quoi que tu fasses, quoi que... Alors attention, on le dit, l'amour de Dieu, il nous oblige à le lui rendre. Alors Bezrat Hashem, qu'on soit Behemet, qu'on soit assez reconnaissant, d'accord, pour pouvoir rendre un petit peu de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour nous. Un petit peu de toutes les tovotes que Dieu a fait pour nous. Qu'on soit un petit peu reconnaissant au moins envers Akadosh Baruch Hu et qu'on sache lui rendre en se levant tôt le matin, en étudiant sa Torah, en étant des gens bons, kachers, en des gens bien, en faisant le bien autour de nous, en cherchant toujours la paix. Et pour la chercher la paix, parfois il faut savoir aussi se mettre un peu de côté, mettre ton kavod de côté, chercher toujours le bien, chercher. Voilà. C'est retsoncha kirtsono. Être capable de faire, de transformer sa volonté à soi dans la volonté de Dieu. Quand tu fais quelque chose, demande-moi qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que je voudrais moi? Non, c'est pas ça que tu dois te poser comme question. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Si on arrive à faire ça, ce sont les gens les plus heureux du monde.